Salut. Donc, on est dans la deuxième partie de ce road trip dans le sud de la France, enfin dans le sud-est de la France, après avoir fait un petit peu toute la côte. La côte d'Azur. La côte d'Azur, etc. On remonte par les terres direction Montpellier. On va faire plusieurs arrêts en cours de route. Donc pour le moment, on est à Draguignan. On a fait un petit arrêt ici parce qu'on voulait pas faire toute la route d'un coup hier soir. Il commence à être tard. Ouais. Donc là on part direction Sillan-la-Cascade, puis les gorges du Verdon, le lac Sainte-Croix, etc. On n'y est jamais allé, ça a l'air vraiment hyper beau. Ça a l'air top, ouais. Donc on est hyper content de faire ça. Et voilà, donc on vous emmène avec nous. Donc là on est parti visiter Sillan-la-Cascade. On avait vu quelques photos, ça avait l'air vraiment beau. En tout cas, pour le moment ça a l'air plutôt sympathique. Il fait hyper froid, il y a un vent de fou. Mais voilà, ça me fait un peu penser au Mexique, à la région du Huasteca Potosina, avec de l'eau super belle. D'ailleurs, on avait fait une vidéo, si vous voulez aller la voir, on vous la met. C'était une région pleine de cascades, de rivières et tout, avec une eau hyper hyper belle. Et ça me fait vachement penser à ça, on va voir. Ça donne franchement envie de se baigner. L'eau elle est super belle, elle est super bleue, mais c'est interdit. Il y a trop de courant et... Il doit faire froid, hein. Il doit faire froid. Et ils disent qu'il y a même des éboulements, il peut y avoir des troncs d'arbres, il peut y avoir des morceaux de la montagne qui tombent, alors du coup... Bon, on vient d'arriver aux gorges du Verdon, c'est magnifique, c'est vraiment hyper hyper beau. Du coup on va louer un canoë ou un pédalo, je sais pas, pour aller faire un petit tour. Alors il y a pas mal de vent aujourd'hui, mais on faut quand même aller voir ça. Bah du coup on nous a conseillé le pédalo. Le truc c'est qu'il y a beaucoup de vent à l'intérieur des gorges et du coup bah, apparemment le retour est assez difficile. De toute façon c'est pas grave. Plus facile en pédalo. Ouais, ça serait plus facile. De toute façon moi je voulais faire du pédalo donc
Comme ça, c'est cool. En tout cas, la couleur de l'eau, c'est juste hallucinant. Ouais, elle est trop belle. Alors, on va arriver dans les gorges, on est en plein après-midi, donc il n'y aura pas énormément de soleil. Mais bon, je pense que ça va être vraiment très beau. Ouais. C'est les jambes, hein. Non, mais c'est dur, hein. Si on croise des gens canoë qui en ont marre, on échange, on dit ah, tu fais le canoë, on le file le pédalo. Bonne idée, hein, le pédalo. Mais oui, ça fait les jambes. Non, mais j'aurais préféré canoë là. Oh. Alors, j'avoue, si vous avez le choix, prenez le canoë, pas le pédalo. Quelle idée. Épuisant. Et en fait, il y a beaucoup de vent, on s'en rend pas spécialement compte, mais dès qu'on s'enfonce là, il y a toute une partie où ça souffle et on est à contre-courant. Mais bon, après, c'est magnifique. Du coup, après la petite balade en pédalo, on fait la route des crêtes. Donc c'est une route qui fait une boucle avec plein de vues panoramiques, plein de belvédères. Une vingtaine de belvédères en fait sur cette route, une grande route. On se retrouve quasiment à, parfois à 700 mètres au-dessus du vide. Tiens, arrête-toi là, on va aller voir celui-là. Et donc, attention. Et ben voilà, donc apparemment on peut voir des vautours, des renards. Des chamois. Ouais. Donc, voilà, bon, normalement je pense que c'est plus le matin, mais bon. Et ouais. On est quand même en fin de journée. Pour 1h30 à 3h à peu près de route, suivant le temps qu'on passe arrêter sur les belvédères. Allez, on va voir. Thank you.
bah la van life c'est aussi ça. On se retrouve sur un parking d'un petit village au milieu de nulle part. Faire un manger par terre. Il fait froid. Il fait un froid de canard, on se pèle. Et bah parce que on est sur un parking donc on peut pas trop s'étaler. Et on s'y est pris hyper tard donc on n'a pas pu trouver un beau spot. Mais bon, c'est pas grave hein. C'est pas grave, je concocte un petit plat. Ça va nous réchauffer. Ouais, donc voilà. Bon ben voilà, fin de cette journée, on a fait plein de choses, on est crevé, en plus on s'est gelé là ce soir en faisant à manger dehors. Mais ouais, bon, franchement, c'est vraiment bien, on est content d'avoir visité un petit peu cette partie, cette région qu'on connaissait pas. Les gorges du Verdon, c'est vraiment magnifique, c'était vraiment cool. Après on y reviendra, là on a fait qu'une journée plutôt rapidement, mais on a plein de choses encore à faire et quelques impératifs, mais bon, ça sera que l'occasion de revenir. Et une bonne nuit de sommeil et puis on reprend la route demain. Nouvelle journée de ce petit road trip en France là de 2 semaines, on approche de la fin. Aujourd'hui on est à Colorado Provençal. Ouais, un parc, enfin au Colorado Provençal dans le massif du Luberon. Donc on ne connaissait pas du tout, mais je suis tombée dessus en faisant un petit peu des recherches sur quoi faire dans les environs. Et c'est apparemment des paysages un peu désertiques avec des formations rocheuses, rouges et tout, qui font un peu penser aux parcs nationaux des États-Unis. Donc on a plutôt hâte et là on y est. Hein. Donc il y a 2 parcours, on va faire le plus long. Qui est pas très long non plus, qui dure 1h45. 1h45. Ouais, je crois. Et voilà. On vient de passer le premier point de vue. Franchement, c'est super beau. Ça m'appelle vraiment aux États-Unis, Painted Hills, qui a des paysages un peu du même style, tout coloré avec des strates et des couleurs différentes. Et voilà, là on va au prochain point de vue. Là, c'est hallucinant. Il y a 2 secondes, c'était tout désertique. Et là, c'est forêt pas tropicale, mais forêt bien dense, bien humide. C'est tout l'opposé, quoi, d'un mètre à l'autre. Ouais, c'est dingue. Allez, on continue.
petit endroit sympa, une petite grotte qui a l'air abandonnée avec des vieux rails. Ça a l'air vraiment cool, du coup on va les visiter. Mais je sais pas à quoi tu t'attendais. Hein. C'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à une grotte légèrement plus profonde. C'est joli quand même. C'est joli quand même. Mais du coup, il y a des rails. Bon, bah du coup, ça y est, on reprend la route. On a fini la visite du Colorado Provençal. C'était plutôt cool, franchement. Ouais, c'est sympa. C'est pas une grosse rando. C'est pas du tout fatigant. Ah non, pas du tout. C'est pas vraiment une rando, c'est une ouais, visite. C'est une visite, une marche. Mais c'est plutôt sympa. Bon, forcément, c'est pas les paysages américains immenses, grandioses, etc. Mais c'est quand même joli pour la région. Franchement, on s'attendait pas du tout à voir ça. Non, c'était cool. Et là, on reprend la route. On va à Villeneuve-les-Avignon. Là, on va voir des amis là-bas. On va dormir cette nuit dans le jardin d'un de nos amis. Et profiter un peu, il va nous faire visiter voilà, Avignon et les alentours. Et on va même goûter un burger du meilleur food truck de France, qui a gagné le concours du meilleur burger de France. Ouais, et même si on a un peu de chance, on va peut-être voir des amis qu'on a rencontrés sur la route aux États-Unis. Donc ça serait vraiment trop cool. On est en train de voir avec eux pour organiser ça. Ils sont d'Avignon aussi, donc ça serait vraiment l'occasion. Ils ont dû rentrer aussi comme nous du Mexique. Enfin, donc on va voir et voilà, on est contents, c'est ça aussi, c'est bien, c'est cool aussi le voyage comme ça en van, enfin peu importe, en véhicule, ça nous permet d'aller voir un petit peu des gens qu'on connaît un petit peu partout en France, donc ça fait bien plaisir.